Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, même, je tiens tout d'abord à vous remercier pour les 725 abonnés. C'est vraiment, vraiment super gentil. Et bientôt, on va atteindre les 1000 abonnés. Yeah! Alors, cette vidéo est en fait l'annonce de la nouvelle série de vidéos qui sera présente sur la chaîne. C'est en fait une série de vidéos consacrée à la modélisation d'un gun, d'un super gun. Alors, ceux qui ont des difficultés pourront venir me poser les questions sur le Discord. Afin que je puisse les répondre plus facilement. Je ne suis pas le seul sur ce Discord. Nous avons également Moonboot, Melting Prod et également d'autres artistes vraiment super doués sur Blender qui pourront répondre à vos questions sur la partie question 1, question 2. Vous pourrez également participer à des challenges Blender et vous divertir et apprendre facilement ou alors apprendre plus vite avec personnes du monde qui sont au même niveau que vous sur Blender. Et pour modéliser ce gun, nous avons besoin d'une image de référence comme dans la plupart de mes vidéos. Alors cette image de référence n'a pas été réalisée par moi, elle a été réalisée par un artiste super, vraiment super, trop fort. C'est Maurice Risselmi. Alors voici son art station. C'est cette image qu'on a utilisée pour réaliser les tutoriels. Alors, voici quelques de ses œuvres. C'est un artiste vraiment super, super doué. Pas comme moi, qui suis pas très doué. Mais bon, je fais quand même des vidéos. C'est pas si petit que ça. Bref, voici ses œuvres. Il est vraiment super fort. Je vous invite à s'abonner à son Instation, à le suivre. Alors, dans Blender, ça va donner ceci. Ce super gun. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à modéliser rapidement ou alors facilement à l'aide des modifieurs. Nous allons voir l'utilisation des curves. Nous allons également apprendre à déplier les UV d'un objet non destructif. Par exemple, ici, nous allons apprendre à déplier les UV de cet endroit sans pour autant appliquer le modifieur booléen qui est dessus. Comme ça. Ce sera quand même assez rapide. Nous allons également voir la notion de l'orientation des faces. Et nous allons également voir le texturing. Alors là, pour l'instant, le rendu est celui-ci. Vous voyez que là, il n'est pas trop compliqué. J'ai pas voulu compliquer avec le texturing pour le début parce que là, j'ai juste balancé une texture comme ça que j'ai vu dans ma machine. Et là, ça donne ce résultat qui est vraiment super sympa. Alors dans la vidéo, alors dans la série, nous allons améliorer un peu ce rendu pour qu'il soit plus joli. Nous allons également faire le rig de ce gun. Simplement. Alors là, ce le voici ici. Le rig. On va faire contrôle tab là. Et notre gun va pouvoir se déplacer comme ça. On va pouvoir bouger ici avec juste R là. Vous voyez que là j'ai mis des contraintes pour que ça ne rote pas dans tous les sens. Et ici également, lorsqu'on va bouger ici, en principe ça va faire une rotation ici. Alors là, nous allons tout d'abord diminuer l'influence ici. Voilà, je vous spoil déjà un peu. Et là on va faire R. Vous voyez que là en faisant R ça rote quand même. Et là, on a quand même problème de rotation. Et nous allons améliorer tout cela dans la série. En fait, toute la série est déjà disponible parce que je l'ai réalisée en même temps que le gun que vous voyez à l'écran. J'ai monté les vidéos, mais entre-temps, j'ai eu quelques difficultés. Tout simplement parce que en lançant les rendus, ma machine ne faisait que bugger. Pour certaines vidéos, quand par exemple la vidéo 5 n'est pas disponible ici, c'est parce que en lançant le rendu, ma machine a bugué et puis ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est vraiment triste. Mais bref, j'espère que entre-temps, je vais pouvoir finir le rendu des vidéos qui ont refusé de rendre et vous les proposer sur la chaîne YouTube. Bref, c'était tout. Donc, alors les gars, je vous dis à tout de suite pour le premier tutoriel. N'oubliez pas de partager la série pour faire connaître la chaîne et également de. Mince. Pareil, j'ai pas écrit mon texte en avance. N'oubliez pas de partager la série pour faire connaître la chaîne et de liker la vidéo afin de.
Ah, mince. Et de liker la vidéo afin d'améliorer notre référencement sur YouTube. Sur ce, je vous dis ciao.